Moi c'est Gazman couleur. Copa magazine, c'est Lilié. Patouko, dis yo ça. Debit 4, pas crédit 4. Si on veut comprendre, mais différence là. Aïe. Pipo, qui trois musiques préférées dans le catalogue musical Richie? Dis-nous pour qui ça. Trois musiques que je préfère de Richie, donc première à ses priorités. Première à ses priorités. Et qui reste. Deuxième musique préférée de Richie, c'est À l'envers. Deux musiques ça a marqué pour la simple raison que tous les deux ont approche cadence pas. Et c'est pas courant que au joindre de musiciens actuels qui a fait ça. Et généralement tout le monde a le puiser dans boîte de monde là, par exemple le monde a le puiser dans boîte psycho. Et monsieur a le puiser dans boîte psycho ça. Et c'est deux musiques tout qui gagnent de textes qui est superbe et qui est énormément bien porté par chanteur avec des arrangements et puis en pile subtilité si vous voulez au niveau percussion. Hein. Et donc deux musiques ça pour moi-même c'est deux bijoux, c'est deux musiques qui pas mourir. Et priorité avec À l'envers. Et c'est deux textes qui gagnent non seulement qui parlent sur les problèmes sociaux et que le pays d'Haïti a traversé, c'est deux textes qui sont superbement bien écrits. Donc me trouver ces deux musiques ça moi-même qui en tête de liste. Après ça, c'est l'autre musique que malheureusement pas changé nom que monsieur que Gazman chantait et sur album personnel Richie, une musique couteau, il s'est d'être le couteau et nous trouvons son superbe musique également avec un très bel texte et deux mélodies qui facile et deux arrangements qui modernes et qui malgré modernité a au senti que monsieur a le puiser soulé là ça qu'on a fait là années 70 l'année 80 yo pour les vinn musique là plus substance. Je crois que c'est principal force une la grande force Richie au niveau de composition lieu composition monsieur pas statique, c'est vraiment de composition qu'on a senti que monsieur prend un petit couleur là chaque période et puis pour créer soulé un bagage qui actuel. Donc grand compositeur indiscutable et à travers le temps, là on a parlé de musique haïtienne et notamment du compas direct.